Ah, les femmes, comme elles sont belles! Tu as vu la dernière publicité avec cette femme blonde, mince, là, qui mange du fromage blanc avec gourmandise? Oh, quelle allumeuse! Belle? Non, même pas. En plus, je suis certain qu'elle n'a rien dans la tête. Juste. Ah, les femmes d'autrefois, elles étaient bien plus jolies. Rondes, un peu boudeuses. Oh, j'aurais tellement voulu vivre à ce moment-là. Ras-le-bol! J'en ai marre, mais j'ai confiance. Ça ne peut pas durer éternellement. Ce matin, il y en a une qui est venue vers moi. Et elle m'a tiré vers elle pour sentir sa poitrine contre la mienne. Elle m'a embrassée. Mais sale! Je l'ai rejetée. Elle n'a pas compris. J'ai une révélation à faire. Ne le répète pas. Non. J'ai trouvé une femme. Une vraie. J'ai son adresse, je l'ai suivie jusque chez elle. Demain, c'est décidé, je lui parle. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Ils se connaissent tous entre eux. C'est incroyable. Quand je les vois, je les envie. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Il y a un groupe surtout qui paraît très bien. Ils ne sont que quelques-uns et ne discutent que des problèmes très intéressants. Mais je trouve les filles bêtes. Elles suivent la mode, parlent de régime, ou s'intéressent aux garçons. Par contre, les garçons paraissent cultivés, attentionnés. Chacun son petit rôle à jouer dans le groupe. Je crois même qu'il y en a un qui est photographe. J'ai vu quelques-unes de ses photos, elles sont bien jolies. À part quelques dissidents qui oscillaient entre moins 15 et moins 23. Non, pas encore. De toute façon, il faisait vraiment froid. Alors, tout le monde avait froid. C'est des trolleybus, hein. T'as des trolleybus. T'as déjà vu froid dans ta vie. Ça se sent quoi? Commencez à avoir un moment de chien. Alors, ça, je vais te montrer ici. C'est le goût. Pour ma mère, je dis que sur son gros passe, ça en passe. Je goûtais même des caribous. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. De l'autre côté de la ville. C'est la fin. Alors, ici, on lui a proposé de prendre le volant. Regarde, si vous voyez ouais, le visage d'un sourire, ouais, d'un regard, okay. D'une voix, là, c'est le métro. De la forme d'une main. Métro à Moscou, super décoré, très baroque. Mais non, vous avez les plus grands Thank you.
Excuse-moi d'interrompre ta lecture. Tu n'aurais pas du feu, s'il te plaît? Non, je ne fume pas. Qu'est-ce que tu lis? Madame Bovary. C'est un beau livre. C'est un de mes préférés, j'adore les histoires d'amour. Elle aime ce qu'elle ne peut avoir. C'est triste. Parfois, je me reconnais en elle. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est l'amour coupable. Quand on aime, il faut le dire, il faut le crier sur tous les toits. C'est fantastique d'aimer. Bonjour. Bonjour. Tu es souvent dans le parc? Tu habites près d'ici? Non, pas tout à fait, j'habite de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Mon père est ingénieur, il voyage beaucoup. Tu dois pas le voir souvent? Non, la plupart du temps, je suis tout seul dans la maison. Moi, j'habite chez mes parents. Mais tu sais, tu devrais venir un soir. Chez moi, il y a souvent plein de gens intéressants. Et puis, ça te ferait voir du monde. Moi, je suis souvent seule et je pense pas que tes amis s'intéressent à moi. Mais si. Je suis sûr que tu leur plairas tout de suite. Et puis, ils vont pas te manger. Alors, quand est-ce que tu viens chez moi? On t'attend, tu sais, j'ai beaucoup parlé de toi, tout le monde est très impatient de te voir. Je dois partir demain. Où ça? Chez ma tante. Je la hais, je voudrais la tuer. Mais pourquoi? Tu pars en vacances, c'est très bien. Tu as de la chance. Moi, je vais rester ici tout seul. J'aurais voulu rester ici. J'ai crié, mais maman n'a rien voulu entendre. Chez moi, j'ai rien à dire. Marie, tu sais, je t'aime bien. Trouvant à ce rude contact un rappel continuel du ciel et de Dieu, insistons sur un détail, n'avoir jamais menti, n'avoir jamais dit, pour un intérêt quelconque, même indifféremment, une chose qui ne fut la vérité, la sainte vérité.
Allô? Vincent était en Russie à Pâques. Tu n'as pas envie de partir aussi? Oui. Où tu veux? Je sais pas, moi, il y a tellement d'endroits quand tu veux que je choisisse. Ben, choisis. Allez. Choisis n'importe quoi. Égypte. D'accord. On y va quand? Demain, ça va? Oui. Déjà? Ouais. Bon. Allez, salut. Ah, tu t'es là. Oui, Marie, c'est la vie. Je ne t'aime plus. Mais Julien, tu m'aimais? Mais oui, je t'ai aimé, mais... Est-ce que tu pourras m'aimer de nouveau? Et le mariage? Julien. Marie, je ne t'aime plus. Thank you.
m'inquiète. Tu ne fais plus rien. Que se passe-t-il? Rien. J'ai envie de rester seule. J'ai besoin de réfléchir. Allô? Allô, Julien? Oui, quoi? Non. Bon, ben, au revoir, alors. J'ai pas été très aimable. Mais arrête un peu avec Marie, pense à autre chose. Ah, j'ai rencontré une fille vraiment sensationnelle. Intelligente et belle à la fois. C'est vraiment dur à trouver à notre époque. T'aurais vu ça? Quelle allure, quelle classe. C'est vraiment autre chose que Marie. Mais pourquoi? Moi je la trouve bien, Marie. Au fait, elle est pas là ce soir? Non, elle a pas pu venir. Ça fait longtemps qu'elle est pas venue. Sa timidité l'a envahie ou quoi? Ou bien elle est séquestrée par ses parents tellement sympathiques? Ah bon, j'y vais. Tu viens, Laurent? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. T'aimes encore Marie, c'est ça? Mais non, je ne l'aime plus, mais j'ai des remords. Je lui ai fait beaucoup de mal, beaucoup trop. Bon, si t'aimais plus Marie, tu devais la quitter. C'est normal. J'aurais pas dû l'aimer, j'étais pas digne d'elle. Il lui aurait fallu quelqu'un de bien plus stable, de plus solide, quelqu'un de bien. Non, je pourrais pas oublier le mal que je lui ai fait, je pourrais jamais. Mais t'en fais pas, elle finira par t'oublier, tout ira bien. Mais je lui ai gâché sa vie, tu comprends ce que ça veut dire? Je l'ai souillé, c'est sans espoir. Je peux rien faire. J'aurais dû l'aimer comme elle m'aimait. Bon, et l'autre, Régine? Mais je l'aime, c'est certain, mais je parviens pas à oublier Marie. Elle me rappelle Marie. Je veux pas lui faire le même mal. Mais je suis certain qu'un jour ou l'autre, je l'aimerai plus. Je peux pas rendre les gens heureux. En plus, Régine est jalouse et elle pense que j'aime toujours Marie. Si seulement je le pouvais. Allô? Julien? Oui, j'arrive. Non. Rien ne s'arrangera.
Je ne t'aime plus, Marie. Je sais que tu es malheureuse. Mais moi, je le suis aussi. Je t'aime, Julien. Je crois pas que je peux te rendre heureuse. Je peux pas te laisser revenir chez moi. Je peux pas. Mais je peux pas te laisser partir non plus.